Ça, c'est toi déjà qui, dans l'histoire principale, aime cuter un morceau de boss, même si c'était nul, et un morceau de. Un morceau là de monde là. Faut chercher le médaillon. L'autre là, il voulait skipper ma partie parce qu'il l'avait déjà faite. Et après, il est en mode. Non mais Est-ce que le jeu te plaît? mec. Bah, j'aimerais bien en profiter! Non mais mec, t'as vu le boss ou quoi? T'as vu le Bah, boss et la grave! zone? Au moins, je pourrais dire dans ma vidéo, on était allé le voir, on l'a démonté. Et au moins, je pourrais dire que je connais cet endroit. Je sais comment est-ce que je vais faire la seconde partie du médaillon. La vidéo qui est en 30 secondes là. Alors, le Non. boss. Alors, non, parce que du coup, j'ai été intelligent. Je l'ai mis à la suite du commandant Nail. Parce Oh! que sinon, vraiment, mec, tête à battre. Alors, ça dure 5 minutes. Oh mec, t'as abusé, je regarde les stats de tes vidéos, mec. Oh, enfin, je parlais pour la série d'Elden Ring, mon gars. Mais mon gars, ça va? Ouais, là ça fonctionne bien. Mais tu sais que j'ai déjà eu des phases comme ça. Hein. Mais il y a des phases descendantes sur certains let's play et puis des phases montantes sur d'autres. Quand tu regardais tous mes stats, si tu descends un peu, genre vers Outlast et tout, je crois que ça avait bien fonctionné aussi. J'avais pas mal de vues. Quand j'étais Zelda aussi, Zelda Twilight Princess, énormément de vues aussi à ce moment-là. Et Ah beaucoup ouais? de commentaires aussi, beaucoup de commentaires. Putain, c'est un jeu de merde, ça marche, bon, je déconne, On va se battre. Je vais appeler ta mère, elle va venir t'en mettre une. je te rejoins, tu me rejoins. Tu me rejoins parce que je l'ai décidé, mec. Ça sort le 21 juin, le DLC. Bah ouais, c'est dans combien de jours, mec? Dans une semaine. Dans 3 jours, mec. Attends. Ne me dis pas que t'as pas regardé quelle date on était, mec. Ah non, Ouais, dans 4 j'avoue. jours. 4 jours, mec. Oh là là, il a menti. Ça va! J'ai tellement hâte, mon gars. Putain, apparemment le DLC est encore plus spectaculaire que le jeu de base. Bah écoute, on va voir ça. Comment tu veux faire plus spectaculaire, mon Mais on gars? n'a même pas terminé l'histoire principale. Bah après on est vraiment à deux doigts, quoi. Bah il faudrait. Parce que là, mec, en vrai, si là on n'était pas des gros bouffeurs de lore et tout, je pense qu'on aurait fumé le jeu. Bah après ça Non, va en plus vrai. hein. Apparemment t'as juste. What the fuck, t'es où? Bah j'ai fait Mais restock, mec. Tu te souviens dans Ordina c'était liturgique quand t'en pouvais plus, bah moi j'ai continué, j'ai activé les statues, et une fois que t'as activé les statues. Le portail il s'ouvre et je suis allé juste dedans et je me suis arrêté devant l'arbre et j'ai fait ok c'est stylé, m'arrête là. c'est très stylé, mais d'abord, mec, il va falloir qu'on aille quelque part. Parce que toi qui veux faire les zones secondaires, on va les faire. Mais Ah, là, je te jure, ça on va c'est les zone faire. secondaire ça. Hein. Ah moi ah oui non tu voulais faire l'autre boss toi. Oui. Mais bon, ça, c'est pas une zone secondaire, mec. Ah bon? Là où il y a Malenia? Comment ça, c'est une zone secondaire? C'est Bah genre le perso qui a été sur toute la promo du t'as vu il y a Olaf mec. jeu. Il y en a des partout, c'est la famille de Olaf. Et il y a un mec là-bas, il y a un truc à récupérer. Va te faire foutre. Aïe, ah mais non, mais il m'a mis dans le menu, j'ai pas pu le jouer. Pour finir, mec, tu regardes plus des vidéos lore sur Elden Ring. Mais je t'avoue que j'ai pas regardé parce qu'on a bien avancé. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je regarde vraiment. Mais c'est vrai que j'y ai pas plus pensé. Et c'est là que Mec, maintenant. C'est où que je vais aller? Ordina? ordinaire, ouais. C'est ordinaire finalement. Ouais, c'est. Oh putain, j'allais faire la même blague. Je sais pas si Mec, je dois me dégoûter moi-même. Mugs, ça va être ouf, je le sens. Je te promets, par contre, je vais sûrement pas spoil. Je te promets. Mais Ok. tout le monde me l'a vendu comme l'un des boss les plus incroyables du jeu. On va lui péter sa gueule. Ouais, alors, ça fait comme le général Radan, mec, ça a plus la merde. Alors. Le PC qui m'a crash. Ouais. Le. Non, c'est mieux, c'est mieux. Ouais, je suis en train de dire, on va éviter ça. Par contre, alors c'était un enfer, les statues. Hein. Il y avait des assassins de la nuit. Alors, ce qui était bien, c'est que dès que t'en activais une, c'était bon. Mais putain, le long à coup, je me suis fait tuer. Parce que tu Ah peux ouais, pas vraiment les voir, parce que du coup, ils te sont invisibles et puis ils apparaissent d'un coup. ah mais donc c'est pas moi qui buguais, ils sont réellement invisibles. Ouais. Suis-moi, on va toujours aller tout droit. Enfin presque. Et il va encore se perdre. Non non, premier, je te jure que non. D'abord, évite de mourir mec, sur le champ serait un peu relou. Ouais, Merci. bah, écoute, je fais de mon mieux, mais bon, c'est plus qu'une Tellement passion, relou. hein. C'est un On mode y de est vie. presque. Oh. Waouh. Ça fait longtemps mec, il y avait Alors, longtemps. j'ai vu Lui. la fumée verte de là où je suis. Ah putain. Ça va, tu me vois pas galoper dans le Non, pour une fois, non. vide? Bah mec, en vrai, ça me fait chier. Oh non, non, c'est bon en En fait. vrai, il veut Non, pas. On a. non. Non, Anastasia, comment ça? C'est qui Anastasia? ton père. Papa? Oh.
T'es où? T'es parti acheter du lait, t'es jamais revenu. Ah mais merde. Attends, c'est vrai? Le gars trop honoré, c'est... Non, c'est un vrai gars qui direct, mec. Tu veux que je t'envoie 400 balles, mec, pour te compenser? T'arrête. Ah! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pardon. J'ai vraiment fait... J'ai eu très mal, mec. On s'est fait foudroyer, mec. Dans tous les sens du terme. C'est toi qui... C'est moi qui m'a mis foudroyer, tu vois ce que je veux dire. Wow. Je crois que c'est là, mec. Ah bah, déjà, si je me fais buter avant d'y aller, ça va pas être... Il y a une église, hein, mec. Non, non, il y a pas d'église, mec. Ah bon, tu mens. Je vais récupérer la pointe TP des ruines d'Adis Jaune, parce que bientôt, on va crever. D'Adis Jaune. Ah oh, putain. C'est pas un pointe TP, ça. Pardon, monsieur, je voulais pas vous réveiller. C'est pas un pointe TP, qui... Non, c'est vrai, Josué. Je croyais que c'était un pointe TP, moi. Il était vivant. J'ai vu un géant, mec, je me suis dit tout de suite, bah c'est bon, on est en sécurité. Attends, laissez-moi le temps d'aller sur ma carte, monsieur. Parce que depuis tout à l'heure, je peux pas ouvrir ma carte, ça me fait un peu chier. Mec, c'est quel let's play tu pourrais faire sur ta chaîne? Dis-moi tout. Fortnite, mon gars. T'es 100 balles là de Metallica. Je sais que tu veux les rentabiliser, mais tu sais quoi? Je t'aiderais pas à les rentabiliser. Ça fait de la merde si tu veux l'assumer tout seul, mec. Non, attends, le mode Guitar Hero il est un peu bien quand même. Ta gueule. Ne cherche c'est pas là. De. En vrai, je te vois souvent jouer en plus. Non, mec, mais non, c'est pas ce que tu crois. Les mecs essayent vraiment de rentabiliser, de croire qu'il a fait un bon achat, une bonne. Ça affaire. Fait mal, c'est ça le pire. Je regrette tellement, mon gars. Mais en même temps, je me dis, mec, j'ai acheté, je peux pas. Faut que j'essaie de trouver un truc, mec, tu vois. Bête. Pardon. J'ai vu mon. Je l'ai tapé, il a pas aimé. Non, c'est juste ce qui m'a défendu. Moi, tu traites pas de bête, tu vois. Oui, mais toi. Plus c'est un ours, c'est une bête, mais. Ouais. Est-ce que tu veux ce qu'on se dirige, quoi? Parce que j'ai l'impression que t'es coinant, je sais pas. C'est. J'ai l'impression de me retrouver comme les trois cartons avec toi en mode bon, bah. Hein. Mais on a prié, mon pote. Il faut longer le bord, mec. Ta connerie, tu l'as vendu aussi. Attends. C'est quoi ça, par contre, mec? Ça a rien à voir, mais. Faut le taper? J'ai déjà eu une statue de ça aussi. Oh. J'espère que t'entends pas mon père chanter, mec. Non. Il fait de la guitare? Non, non, il chante. Sous la douche. Ah, oui. C'est vrai. C'est un truc genre. Que. Ce pays. Ça va bien ton père? Franchement, ça va. Malgré les soucis de santé. C'est là tu me dis que je. Mec, Waouh! Il a beaucoup de il est tombé par terre. J'ai peut-être un peu trop tiré sur le câble. Mec, il va falloir que t'ailles voir un truc sur internet. T'as-tu fissuré? J'en peux plus, mec, de moi, mais vraiment, j'en peux plus. Je vais aller trouver. Vas-y, gros, en attendant, je vais essayer de trouver de prendre TP, genre, j'arrive. Il existe plusieurs statues fissurées qui brillent une lumière bleue entre terres. C'est un petit puzzle de concocté par From Software. Voici un petit guide, nanana. Alors. Et Elden Ring est plein de petites énigmes et de secrets, plus ou moins bien cachés, comme les murs illusoires, les scarabées invisibles ou les tours scellées. Les statues fissurées viennent s'ajouter à tout cela, d'accord. La solution pour la première statue est très simple et vous avez de bonnes chances de la découvrir naturellement, voire accidentellement avec tous les trolls des environs. Donc c'est un troll qui peut la briser, mais ça on n'est pas dans la zone des trolls. On est au niveau de la zone des neiges, mais j'ai l'impression en fait que... Ouais, il faut un monstre géant. C'est bon mec, je l'ai trouvé! Pardon, ça n'a rien à voir, mais je suis content de moi. Ah, avec les ours mec, si on attire un ours dessus. Fous de ma gueule. Bah déjà arrive, je vais voir. Surtout qu'il y a un ours mec, bah là, lui là. En fait, faut essayer. En fait, t'as des zones où t'as des trolls, donc du coup, c'est avec les trolls. Et là, c'est avec genre un ours, du coup, parce que bah, c'est les ours qu'on avait à côté. Viens là, viens là. Oh putain! T'as fait un. Il est vénère! Il est vénère! Ouais, mais... Il est très vénère! Maman! Ouais. Ah, mais en plus, j'en ai tiré un autre, mais moi, je croyais qu'il n'y en avait pas. Au secours, maman! Ah, ouais, je savais pas que tu courais comme ça. Ah, bah, j'ai appris que tu courais comme ça aussi, mec. Ah, bah non, je croyais que t'étais tombé en vie. C'est moins drôle. T'as cassé mon fun. Ou pas?
Il fait l'amour au rocher. Il fait l'amour au rocher. Non, mais viens là. Salaud. Non, mais tu t'appelles Josué ou quoi? Connard. Oh putain, Josué va te péter le cul, mon gars. Oh, il a apparu comme un pinceau dans Naruto. Wow, il arrive. Ça y est, il est là. Il a eu la paix alors. Wow, mon gars. Il m'a attaqué avec son souffle putride. Viens là. Et mon grand, viens là. Viens bouffer tes croquettes. Croquettes. Mais c'est mauvais. En fait, je crois qu'il faut le taper une fois, mec. C'est bon. C'est bon, Kim. Wow. Ok. Mec, j'ai pas l'impression que ça est bon. Ouais. Waouh. Et maintenant, on fait comment pour s'en débarrasser? On s'en débarrasse pas. Tout ça pour ça, mec, tout mais ça mec. Pour ça. Eh, au moins, on l'aura fait. Allez, on l'aura. Maman. Mec, attends, je l'ai, attends. Viens là. Tu me suis? Non, promis, ouais. La orange, je sais où il est. Ah, de mentir, on va encore se perdre. Yann Yardin, t'inquiète, je suis juste trompé entre le nord et l'ouest. Écoute, Inch'Allah. Hein. Inch'Allah. D'un autre monde. Allez, tous ensemble. Esteban Dia, t'as oublié le site. Normalement, il est là. Normalement, oui, il est là. Donc, tu vas prendre un peu de la merde, mec. Mec, t'es vraiment resté près d'un autre. Attention, il va te péter le cul. Non, ah, je suis trop fort. Vite, casse-toi. C'est bon. Mais je suis pas là, mec. Non, non, je parle de mon personnage. J'ai cru vraiment qu'il allait tirer dessus, mais il a tiré à côté. Oh, on est dans une grotte, déjà ça pue la merde. Ça me donne déjà plus envie. Mec, j'arrête le jeu. Palais Mogwin. Oh là là. Je le tue avec sa torche. J'étais sûr. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il met du temps à arriver. Mec, t'as pris ta torche pour 3 secondes, ça se vend. Ouais. Ouais, j'avais, mais tout est rempli de sang en fait. C'est stylé. J'ai très envie d'aller me poter des culs, mec. Alors, attends. Pardon? Non, je veux dire d'aller botter ton cul. Tu sais, mec, y'a du sang. Ok, mais. Ah, y'en a mais vraiment, bon. vraiment partout, par contre. Ah, oui, bah, on dirait bien. En fait. Ah, oui, t'as une rivière de sang, en fait. C'est Marika qui a eu ses règles, mec. Waouh. C'est chaud quand tu as ses règles, hein. C'est une déesse, mec. Faut savoir accepter. Tu peux être raciste envers la déesse. Parti où, mec? Récupérer tous les objets de merde. Non, c'est bon, c'est des trucs qu'on sent. T'as pris où, moi, le site de grâce, mec? Attends, bouge pas. Il est où? D'accord. Qui est où? Bon, ouais, je vais y aller à cheval, c'est plus simple. Ah, oui, ok, j'avais pas vu. Ah, mais pour d'ailleurs, espérons que t'entends pas la musique de mon père, je suis vraiment désolé si tu l'entends. Non, 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 en vrai, ça va. Hein. Je l'entends pas du tout. Et si je fais. Give me fuel, give me fuel. Give me water, the day. Y'a beaucoup de sang, mec. Vraiment, je sais pas ce que tu m'emmènes, mais j'ai l'impression que c'est la mort. Globalement. Non, non, t'inquiète. Là, je suis un scarabée, là, mec. Parce que tel est mon destin. T'es mort? Non, j'ai l'air que tu me manges. Oh! Je suis évité par des porcs qui piquent. C'est quoi, ouais, ce merde? J'en ai vu un. Hein. Waouh, mais cette zone, mon pote! Ah bah, il m'a mal. Ah, bien joué, Josué, t'as mis ton pire coup de toute la terre. Ça se voit, mais tout à l'heure, j'arrive pas. Allez, je me casse, me souper. Il y en a un qui va se faire zingler la gueule. Mec, ça m'a fait spawn giga long. T'as dit quoi? Je vais récupérer un truc qui s'appelle essaim de mouche. Et tu veux pas tuer le. Danser les ombres du monde. Danser. Oh là. Jusqu'à même. Non, mais alors eux, vraiment, je les déteste. J'ai l'impression qu'on est trop bas level pour ce. Non, mais t'inquiète, on va pas te faire sur la télé.
Allez! De toute façon, on est obligé de faire ça sinon on pourra pas faire le DLC, mec. Et ça, c'est un problème. Quoi, y'a un squelette qui t'est détecté sous laser avec ses armes. T'inquiète, mec, tout va bien se passer. Je vais trouver. Voilà. Non, non, t'es pas mort, tu fais semblant. Tout ça, c'est dans ta tête, Josué, tu arrêtes. T'as pris tes médicaments, Josué? À la sortie du. Ça m'a l'air d'être chaud le palais de Mogouin là. De Mogouin. Mogouin. De Mogouin, mec. Ah, dis Mogouin, je suis sûr. De Babouin. Waouh. Mec, j'ai pas de TP là où je suis, genre. Je suis très loin là. Tu veux pas, genre, attendre 5 minutes que j'ai perdu une. Oh là, genre mec, tes runes sont très importantes à ce niveau-là. Oui. C'est pas comme si qu'il fallait qu'il Ils sont 21 000. Moi il me faut. Ah bah ce que j'allais dire, moi aussi il me faut 21 000. T'as combien, mec? Quasiment 23. C'est où là ton TP de mort, hein? De toute façon je vais avancer, je vais arriver. Wouah, y'a les squelettes. Et les Beatles chantaient. In a hard day's night. I'm gonna wake you. Il va péter un pont. Y'a pas un cerf aussi dans cette zone là? Tu vas te faire enculer, Josué. Ah, carte du palais de Mogouin. Oh. Oh maintenant qu'il la voit en plus. Hein. Mausolée de la dynastie Mogouin. Sauf si je suis pour moi. Première fois qu'on a une carte, mec, c'est incroyable. Ça, mec, pour l'instant, la DA du niveau, t'aimes bien. Ouais, bah, le sang partout. Ah, tiens, From Software, du coup, ils ont dit par rapport au mode qu'il y avait sur Elden Ring, ils trouvaient que c'était une très bonne idée et ils aimeraient intégrer ça dans leur prochain jeu. Tu parles du mode multi? Ouais, le mode cop qu'on va faire. Ça serait très bien, mec, ils intègrent dans le jeu de base. Et le mode one shot, ils l'ont rajouté ou pas? Alors, ça, en fait, ils ont dit, faut que t'ailles dans ton cul, troisième porte à gauche. Dans ton cul. Clignotant. Ça va pas d'être. Et normalement, après avoir tourné 6 fois sur toi-même, bah, tu l'auras toujours pas. tous les corps putréfiés, brûlés. En train de prier aussi, mode. Je me demander, mais comment tu vas faire pour. Je sais pas, j'ai plus le temps du coup. Attends, je le sors maintenant, mec. Du coup, mec, Malikette, tu vas le faire. Tu. Oh putain! Tu le comptes dans tes boss ou pas du tout? Ah bah, Malikette et. Le moine bestial et le géant, oups. En vrai, mec, tu fais croire que tu as battu, genre. Et en fait, c'est pas que je vais faire croire, c'est que tu en auras pas de mention, mais les gens auront vu qu'on aura avancé. Trop bizarre, pourquoi ils ont passé le géant de feu et Malikette comme boss? Non mais ne vous inquiétez pas, ils étaient trop nuls. Ouais, il n'y avait pas besoin. Enfin, attention, ils sont très violents. Bon, je prends vraiment ma vie là, ils sont saignants. Ils vont te la mettre dans le cul. Bah, oh, c'est marrant, hein, c'est pas du tout ce que tu fais à chaque putain de boss. Mais non, on n'est pas des saignants. Comprends maintenant ce qu'ils vont faire ces boss. Attends, mais gros, ils sont en train de te déchirer. Je sais pas ce qu'ils auront de toi, mais. Ah ouais, mais moi, ils me voulaient. Moi, ma famille, sur 6 générations. Oh, t'attends, mec, tu t'es pas arrêté, mais viens voir vite fait. Oh, des protestants, oui. C'est extrêmement stylé déjà le ciel, mais là, il y a un putain de bâtiment volant, on est d'accord. Ça arrive, hein. Je suis là. Oh. Il y a un putain de bâtiment volant, là. Oh. Ça a l'air d'être là, genre. Je vais juste retirer la TH, mec, et prendre un petit screen en vrai, parce que. Parce que je suis un casse-couille et que je te fais perdre du temps. C'est moi qui t'ai fait revenir. C'est un truc de fou d'avoir réussi à faire un souterrain, mais aussi classe quoi. Franchement, mec, oui. T'as vraiment l'impression d'avoir des étoiles et tout. Mais du coup, mais j'aimerais bien me renseigner sur ce lieu, parce que du coup, est-ce que c'est des vraies étoiles? Est-ce que. J'ai
Ils me veulent du mal. J'ai mis 10 ans à réagir, j'avais pas rentré depuis que... J'ai une carte parfaite, sombre dragon ancien, j'en ai rien à faire si je meurs. Ça sera un héros. Donc tout ça pour ça. Allez. Non, tu m'auras pas, tu m'auras pas, tu m'auras... C'est bon. Wow, c'est moi ou j'ai... Ah mais tiens, il y a le monsieur rouge. Non. C'est juste Seigneur du Sang, tu crois? Ces meubles là aussi sont très particuliers. Ouais, ils sont vraiment moches. Ouais, mais après, toi, t'es moche aussi, et puis on me dit rien. Donc... Quoi? Mec, ça va? Wow, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, j'ai ouais, tiens, dommage. Bah, on le voit aussi dans le trailer du DLC. Toi, mec, le DLC. C'est vrai, je suis un DLC à moi tout seul. Pourquoi il y a de la main de Freddy Krueger? Bref. La main elle bouge. La main elle bouge. Le boss va nous péter le cul, je le sens. Ah, elle est bourrie, mon gars. C'est vrai que j'étais allé voir, mais c'est vrai qu'en fait, l'histoire du DLC, en fait, c'est dans le royaume des morts, si je me trompe pas. On a parlé, non? On va aller un peu dans le Mordor. Qu'est-ce que je raconte? C'est Sauron, en fait. Waouh, le sang, mon pote. Mais non, il fait une hémorragie, là, monsieur. Appelez l'ambulance! C'est une hémorragie à ce stade-là. Et voilà, Marie. J'ai vu, il est en train de jouer avec les bulles. Ah. Wow, frère. Il est tellement stylé, même sans avoir vu son visage. Ah, mais gros, c'est Satan en fait. Pardon, parce que moi je savais pas, j'ai. Waouh. Top, tête de mute. Dearest Mikala. Comment ça s'appelle le truc où il y avait dans les égouts? Une abomination. Un réprouvé. Un réprouvé. Il l'appelait comment? Mikala. C'est la sœur de. Le... un mec, c'est le frère de Malenia. Non, il est trop stylé. Dis ce que tu veux, il est trop stylé. Mais il fait vraiment penser à un gros démon, quoi. C'est pas très guétin, hein, tout ça. T'as vieillide. Regarde, regarde, celui qui a été joué, il t'aime. C'est juste ta faute, moi j'ai jamais joué. Ouais, il t'envoie. Ah bah alors, mec, t'as giclé? Ah, mec, ça va, je suis un peu plus cul, ça va, je sais pas. Oh le bâtard, oh le bâtard. Tenez la larme incendie. Waouh, c'est le moment. Oh. Wesh. C'est un ange déchu. Pardon. Ah, essaye. C'est pas mal énervé, j'ai l'impression qu'il a l'air pas là. J'ai l'impression qu'il a l'air beaucoup trop dingue. Ah non, pardon. Mais c'est bon, je t'ai rien fait, arrête. Il m'envoie du sang à la gueule. Aïe. Allez mec, non. Ouais, je suis là. Ah le nul. J'avoue mec que tu vas faire pareil bientôt. Ouais mais moi j'ai été intelligent, j'ai invoqué mon bot. Ah mec, c'est exactement ce que je vais faire mais je sais plus y aller ou pas quoi. Donne-moi ton excuse, vas-y, j'écoute. Moi je me cache pas derrière un bot en fait. J'ai l'impression mec qu'il me tue. Attends, mais en fait t'es un gros bâtard. Il te reprend du saignement pour se soigner. Espèce de bougnoule. Pardon, ça j'ai pas trop le droit de le dire. Je vais essayer de m'attraper sur une scène. Bah c'est cohérent. Non. Mais ça me dérange pas, mec. Mais Mouga, on affronte Satan en personne! Tu crois pas ce quoi? Bah, en vrai, oh. Satan, il a quand même mis sa vie sur 6 générations. Parce que là, quand je vois par exemple certains boss, ou des géants de feu, c'est pas autant les malins devant, hein! J'ai envoyé cet extrait là, David. Satan, on lui a mis! Oh putain! Elle a pas créé son contexte dans le milieu.
Mog, le seigneur du sang. En vrai, il est grave stylé. Ah ouais, mais quand tu dis qu'il y a un démon, ça fait que c'est quand même. Non, mais c'est quand même, il a même une fourre, quoi. Ça rappelle vraiment que lui. En plus, dans un roi plein de sang, enfin, c'est vraiment une damnation de damnation. Donc, à 5 ressemblerait l'enfer. Oh oui, l'enfer, il vient de me le montrer, mais comme dans un four, ça. Il a rendu 13. Il a rendu 3. Et toi, 13. Il a mis deux chimies, hein. À l'aide. À l'aide de sa pompe, le gars. Dans sa vie. Ah, mais il fait un décompte en fait, ce bâtard. Bien joué, mec. Bien joué, mec. Vraiment. Ah, c'est bon, Neil. Pardon. Ça va pas mal. Il est infâme. Il est infâme, mais je l'aime bien. C'est pour ça qu'il voulait taper un maximum. Et toi, moi, je peux plus, j'avais plus. C'est-à-dire que c'est moi je le tapais et c'est lui qui allait me taper. Mec, j'avoue, t'as plus de vie. Bah, moi j'ai plus de vie. Enfin, ouais, je l'ai plus une seule. D'habitude, il bug. D'habitude, il bug. Bug. Non. Il bug. C'est ça. Il y a un démon, mec. Ah, bah, mec, il va le retourner. Je parle pas de malheur. J'ai voté parce que juste avant qu'il nous reprenne du sang, vraiment j'étais en mode il faut que je tape, faut que je tape, faut que je tape, faut que je tape pour qu'il meure en fait. Mais toi meurs. Quoi, pardon? Non, mais je parlais pas à toi, à Mug. On va se battre. Ça aussi, mec, j'en ai. Waouh. Allez, moi je pense qu'il faut envoyer des méduses. Je vais trop me tirer avec les méduses. Mais c'est vrai que t'as vraiment fait ça? Non. J'ai eu très peur, moi. Bah, c'est con pour les ressusciter. Ah, bah, purée, je me moque de mon bot. Ça arrive, hein, ça arrive, j'arrive. Hein. On dirait que j'ai envie de rien faire, mais j'arrive. Toi, duo! Je vais le taper! Mec, on est en train de l'enculer, mais tout va bien. Il est en train de me tuer! T'as fait quoi? T'as fait quoi? J'ai pas vu ma vie! J'ai pas vu que ma vie elle était en train de descendre à une vitesse tellement fulgurante que là j'en suis mort. C'est à cause de son sang de merde. Toi, Neil! Toi, Neil! Mais d'ailleurs j'avais réussi à esquiver en me mettant très loin, mec. En fait quand il fait ça il faut aller extrêmement loin. T'as compris? Pardon. Oui. Oh. J'entendais ce que tu t'énerves. Mais... Attends mais mec c'est quand même ironique. C'est le seigneur du sang qui se fait buter par du sang. Ah bah le sang appelle le sang hein. Waouh, mec, c'est bien le meilleur. On combat le sang par le sang. Ouais. On combat le mal par le mal. Hein. On combat Satan par Dieu. Non. J'ai passé peut-être un peu trop loin. Ah, il me. Ça me dit ce qu'il parle, mais je t'entends même pas. Allez, ton KO! Nil de mes couilles! Mec, cours très loin. Oh! Ah, mais cours quand même très loin, mec. Bien sûr qu'il va pas tomber loin. Pourquoi écouter les conseils des gens? Non, mais c'est quoi là-bas? Pas là-bas? Ouais, c'est. Tu vas dire, oh, tu vas non, on va le taper, on va y arriver. À ma vision. Oh, wow. On l'a déboîté en une demi-heure, mon gars. J'ai adoré ce boss. Hein. Il est trop stylé. Souvenir du Seigneur du Sang.
Oh, trop. Une demi-heure top chrono. Paye ton démon, hein. Petit. Bah. Allez, maintenant il reste plus que Malenia, mec. Comme ça, mec, t'as Malenia, t'as. Non, on n'a pas besoin c'est... de Malenia, mec. Arrête de... Pourquoi ? Non, on est pas obligé. Mais de toute façon, ça... le problème c'est que ça durera même pas. Allez, ça... Tu crois que ça a duré une vidéo ? Mais non. Ça a duré, mec, 10 vidéos. Ça y est, vraiment. Mais Malenia, c'est pas là ? Quoi ? Non, c'est pas là, Malenia. Mais Malenia, c'est là où tu voulais aller de base ? Avec l'arbre. Ah oui, avec Par contre, gros, t'as pas l'impression que mon perso il a un truc trop bizarre autour de lui ? Oui, bah t'as l'effet du démon, mec. C'est comme ça qu'il a appliqué son saignement. Ah, maintenant t'as une jauge, quoi. C'est... Pff... Je suis devenu un peu sa salope, quoi. Ah ouais, ça. Donc le jour du DLC, en fait, faudra venir là et interagir avec la main, c'est ça ? Attends, mec, j'avais pas vu, mais la main, tes mains, comment elle est grande comparée à nous ? Oui. Mais du coup, c'est dans un cocon ? Pourquoi ce frère, il a dedans ? J'ai déjà trop de questions, mec. Apparemment, le DLC va répondre à beaucoup de questions. Ça peut te rassurer. Cocon de l'Empire. Bah, mec, c'était grave s'il en a fait un tiers de la map, mais. Ouais, mec, j'avais pas vu combien d'argent il nous avait donné en fait. J'avais pas vu. De quoi ? J'avais pas vu combien de thunes il nous avait donné en fait. Ah bah va voir, tu comprendras ce que j'appelle par. 120 000, effectivement. Est-ce que réellement j'ai encore besoin d'augmenter la vie ? Est-ce que j'en montrais pas plutôt la force ? Je suis passé de 51 à 57 quand même. Non, allez, j'augmente la force quand même. Putain, en vrai, j'ai bien aimé. J'ai franchement le mug très stylé. Même l'endroit est très stylé en vrai, avec tout ce que t'es en sang. Le cocon, le cocon en gros, je sais toujours pas ce que c'est. Tout le sang. Le quoi, tu as dit ? Le cocon. Ah oui, bizarre. Nickel. Du coup, là, on doit retourner dans le monde, si je ne me trompe pas. Si tu veux, on peut aller au bâton de la table ronde pour prendre le souvenir de Mog. Oui, hein, tenter ça. Peut-être qu'on va tomber sur le truc de ouf comme Godfrey. Mais Godfrey, je suis sur le cul. Comment ça m'a carry ? Parce qu'au début, tu jugeais l'arme de Godfrey, mec. T'as pas honte ? Bah, moi, j'ai dit qu'on va se taper plus d'un boss. Comment ça ? Déjà, on en a deux. La fume, le fait qu'il se barre, mais tu peux toujours interagir. Tu as la lance sacrée de Mogwin qui accumule 33 de saignements. Et ça à côté, c'est quoi comme truc ? Faveur sanguine. Faut jouer une faveur sanguine pour enflammer la zone face à vous. Augmentez votre bras dans le corps de la mer informe, puis répandez le feu sanguin pour incendier les alentours. Vous pouvez lancer cette incantation en tout en vous déplaçant. Prendrais quoi, toi ? C'est compliqué, mec. En fait, ce que j'ai un peu envie de prendre quand même, c'est. Dis-moi. Bah, j'aurais été curieux de voir la faveur sanguine et j'ai peur d'être déçu. Puis on a déjà le saignement en fait. On va prendre la fourche, hein. À mon avis, mec, la fourche. Le problème, mec, 27 en ésotérisme, c'est énorme. Alors, il va falloir qu'on augmente en. Il y a deux points purs chez certaines personnes. Ah, il a sa tenue ? Ouais. Et tu savais pas me dire ça avant ? Bah, je viens de te le dire là. Par contre, du coup, la tête, c'est pas vraiment sa tête, hein. Qu'est-ce que c'est stylé, par contre. C'est une armure de chevalier, quoi. Attends, mais y'a pas un truc qui va. Attends. Ok, y'a la robe. C'est une armure. Y'a la robe, non ? T'as l'armure, t'as les jambes et les bras, là. Avec son casque. Mais écoute, est-ce que tu vois les jambes ? Prédoré. Bah, hein, c'est vétéran. C'est tout que cette vétéran. Mec, vétéran, c'est pas ça. Vétéran, c'est le. Regarde, il a même son casque au-dessus. Casque de vétéran. Ah, c'est le commandant Nil. Ah, oui, c'est pour ça que sa tête n'avait rien à voir. C'est la tenue du commandant Nil. Attends, je vais mettre la robe de Mog. Tu me dis que quel style ça me fait, mec. Alors, y'a quoi, mon gars ? À quoi, qu'est-ce qu'il y a, mec ? En vrai, ça va, hein, ça rend bien.
Je vais la mettre en vrai. En plus, ça m'a l'air un petit peu légère comme ça. Voilà, mon perso est bien mieux comme ça. Bah, attends, mais en vrai, j'aime bien. Ouais, hein. Je me foutais la tronche du truc, mais ça va. Robe du Seigneur du Sang. Et viens, je mets la tête de Godfrey. En tout cas, rien à voir. C'est un mec. T'as comment je suis pour m'équiper, moi? Je sais pas comment t'équiper, mais. Attends. Ah bah non, mais là. Mais gros, étonnamment, je trouve la robe ultra. Ah, t'as acheté l'équipement Malikette. Okay. Je crois. Attends, j'avais pris ton casque, je crois. Ah, j'avais pris son casque. Attends, mais ne me dis pas que t'as pas pris le casque. Ah, j'allais dire, j'ai pété un plomb. Je vais chercher. Bah, mec, bah, super bien. Bah, écoute, mec, bah, je vais chercher le bug. Ah, en vrai, avec le casque de l'autre, ça va. Hein. Ah, je vais aller manger. Tu disais, mec? Avec le casque de l'autre, ouais, ça va. Hein. Enfin, à toi, je parle. À de Redan. Mais c'est dommage, il y a vraiment rien en rapport avec des réprouvés. Ce serait bien que j'ai un casque avec des cornes en vrai. Mais t'as le truc dégueulasse de l'autre, mais Le casque de vétéran là? Non, 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 de l'autre qu'on avait tué là, mais qui est vraiment moche quoi, le casque réprouvé. C'est les cornes fêlées. Attends, mais où est-ce que tu. Mais mec, je sais que je suis chiant, mais où est-ce que tu vois ça? Dans ton équipement. Tu sais, le gars, tout en armure et tout qu'on a déglingué dans les. Ah, on a récupéré un truc de prouvé du coup. Ouais, mais c'est pas beau, c'est une armure dégueulasse. Hein. Ah oui, ça. Oh mon. Ouais, voilà, exactement ça. C'est immonde, hein. C'est une immonde. Avec des cheveux derrière, je veux pas savoir c'est qui. Non, je mets ça. Waouh. On pourrait pas voir que c'est un vieux ninja, mais on voit que le visage est implanté. Waouh. En vrai, c'est pas mal, hein. Attends, mais ça fait un peu peur quand même. On dirait vraiment un mage pour le coup. Quoi? Ok, je change. Alors, ça. Ouais, je vais même pas commenter. Non, mais pourquoi tu laisses pas Radan, pardon. Waouh, okay. Ça c'est donc mon personnage sans casque. Ça? Je vais. Je t'avais jamais vu. Attends, choisis entre ça et Radan. Radan, non. Radan était très bien. Ouais, mais ça va, mon personnage, ouais, par contre, ça a vraiment aucune dégaine. Putain, gros, dégaine Naomi. Allez, hein. Allez, je vais manger, mec. Ouais, va manger. Merci, mec. Et touche pas bien avec ta bouche, surtout, hein. je veux dire, mange bien. Mange bien, mange bien. Mâche pour éviter de t'étouffer, c'est ça que je voulais dire. Et la prochaine fois, on va aller voir l'autre, là. On va lui défoncer sa gueule.